Aujourd'hui, nous conférence de presse pour relativement court, animée par moi-même seulement, contrairement à la semaine dernière, quand nous étions un peu les temps. Mais aujourd'hui, on a seulement deux points, ou trois points, plutôt, qui m'ont pu faire commenter. Vous pourrez venir l'augmentation de prix pétrolier. La semaine dernière, moi, j'ai déjà abordé le sujet, mais moi, j'ai envie quand même, une semaine, une passée maintenant, nous écoutons réactions de plusieurs d'immunes, de plusieurs secteurs, ben stakeholders, etc. Moi, j'ai envie de revenir le bon point essentiel. D'abord, je redis ce que j'ai dit la dernière fois. Tous les gens acceptent que le prix de l'essence et du diesel ont baissé sur le marché mondial. Je ne vais pas revenir dans le détail. Dans le communiqué publié par la STC la semaine dernière, nous trouvons le communiqué là, le prix CIF aujourd'hui, comparé à mars, février-mars l'année dernière, plus bas. Le reference price, plus bas. Aujourd'hui, il est 525,34 USD per metric ton, mauvais cause pour l'essence. Ça, 3-4 mois de cela, il est 553 roupies 42 sous. Pareil pour le diesel. Aujourd'hui, il est 61,85. En mars, février-mars, c'est 63,97 USD. Donc, en termes de prix CIF, en termes de reference price, quand nous comparons aujourd'hui et 4 mois de cela, il y a une différence. Aujourd'hui, ça a deux indicateurs, le prix CIF et le reference price, plus bas maintenant, une baissée. Deuxième chose. Le gouvernement, ce qu'il vient de faire, il augmente excise duty pour 4 roupies, le sac litre, qui est l'essence, qui est diesel. Donc, un calcul simple, montrez-nous. 4 roupies par litre, nous consommons 600 millions de litres par année. Il veut dire que le gouvernement, sa augmentation-là, pour permettre au gouvernement collecter 2,4 milliards de roupies en plus, qui peut tirer dans la main d'un poste d'immune. Le calcul est simple, mes camarades. Excise duty montée par 4 roupies. Qu'il y a l'essence, qu'il y a le diesel. En tout, diesel plus l'essence, nous consommons 600 millions de litres par année. 600 millions, monsieur, par 4 roupies, fait 2,4 milliards en plus, qui sa gouvernement l'a fait gagner. À partir de la nouvelle structure des prix, à partir de la semaine dernière, quand il augmente cette excise duty là pour 4 roupies. Troisième affaire, qui m'a envie de dire aujourd'hui, et qui m'a pensé, personne ne va me commenter, même pas le docteur Casnali ce matin, on va trop connaître, c'est pas l'indien ça. Et là, parmi tout ça, une redevance qui est là, Lévi. Ça s'appelle l'île Lévi, redevance ou bien subsidie ou bien taxe. Et là, on appelle Oil Companies Operational Expenses and Wholesale Margin. M'aurait dit, pareil comme il y a l'île Maurice Durable, il y a RDA, Road Development Authority, pour un casse-à-bouille là-bas, là, hein? Percevoir une taxe, et Lévi a voyé dans l'île Durable, a voyé dans Road Development Authority. Et là, on appelle, m'aurait dit ce nom-là, Oil Companies Operational Expenses and Wholesale Margin. Ça, les fins augmentent par 10 sous en moyenne, parce qu'un 11 sous l'essence, 10 sous le diesel, mais quand nous faisons la moyenne, 10 sous. 10 sous mauriciens, je vais causer là, par litre. Donc, sa augmentation de 10 sous là, aussi innocent qu'il y paraît, quand nous multiplions par 600 millions de litres, ils permettent
Aban Oil Companies gagne un nouveau cadeau de 60 millions de roupies. 600 millions, je ne sais pas, 10 sous, il fait 60 millions de roupies. Mais mon camarade, ce qui est plus intéressant, ça, Oil Companies Operational Expenses, là, qui était ça? Comment dire, STC donne ça à Oil Companies, là. Avant l'été N82, l'eau l'essence, N66 l'eau diesel. Maintenant, quand il augmente lui aujourd'hui, là, avec le nouveau prix, l'invin N96 l'eau diesel par litre diesel, N73 pardon, l'eau litre l'essence, N76 l'eau litre diesel. Donc, moi, explique-moi bien. Je trouvais, là, encore une fois, mon peu bizarre, remonter ça, il y a un paquet de levies, tout ça là. Donc, un levie qui appelle Oil Companies Operational Expenses and Wholesale Margin, aujourd'hui, ça c'est le communiqué de la STC, les N93, l'ON litre l'essence, N76, l'ON litre diesel. Depuis la semaine dernière. Ça veut dire le sac litre l'essence, le sac litre diesel qu'un Mauricien acheté aujourd'hui, un petit motocycliste, un petit PCR, STC, quand ça consommateur-là paye aujourd'hui le litre d'essence à 44,90 €, le litre diesel à 35,35 €, là-dedans, N93 tiré pour Savane Miché. Oil Companies Operational, Zodman Expenses Operational, et le diesel de N76. Maintenant, quand nous faisons ce calcul-là, mon camarade, le 600 millions de litres qu'ils vendaient, vous connaissez comme c'est un cadeau que STC peut faire, ça, ben baron qui importe, ben, qui propriétaire, ben, oil, qui paye importe le produit pétrolier, ben importateur. Ben Michel Shell, Ben Michel, tout ça, Engen, etc. Tout ça là. Zot gain, donc, pour l'année. Lo, ça m'a l'air, N93, il paraît Tigin. N76, l'eau diesel, il paraît Tigin. Mais quand vous multipliez ça par ce qui Mauricien consommé, calcul la vine, 1,044 milliards de roupies. Qui STC peut faire cadeau les barons. Ban Oil Companies, pour soi-disant, d'autres ban dépenses opérationnelles. M'aurait dit à d'autres, 1,044 milliards de roupies par an peut tirer dans la caisse. C'est une banque à gagner pour le STC qu'il peut passer ça à ban importateur, ban produit pétrolier. Voilà la triste vérité, ban camarade. 2,4 milliards, il peut prendre en poste d'Imoun, avec l'augmentation de 4 roupies par litre. Mais en même temps, l'IP faire un cadeau de 1,044 milliards de roupies à Ban Oil Companies. C'est un gouvernement Robin des Bois à l'inverse. Donc, c'est pourquoi, pour nous, cette augmentation-là, c'est un vol de l'État, du gouvernement à son propre peuple. C'est pourquoi nous disons, c'est inacceptable, cette augmentation-là, mon camarade. Mourir des autres, quand il augmente, ça lévit. Pour une dépense opérationnelle de ma compagnie pétrolière, comme on fait dire, l'IPME de sa compagnie là donc recevoir un cadeau 1,044 milliards de roupies. Et le gouvernement n'est pas capable de justifier sa décision. Odieuse, si mon capable de servir ce mot-là. C'est à cause de ça pour moi, ce gouvernement-là, c'est l'antithèse
d'un Robin des Bois. Il peut prendre en banne ce qui est pauvre, il peut faire cadeau aux riches. Et le STC, le ministre, il ne sait justifier sa augmentation-là. Mais ce qui nous vise à connaître aussi, mon camarade, ça a plusieurs mois qu'il est censé baisser là. Finalement, il y a un windfall gains qui est censé faire une bise à gagner. Mais nous, le ministre pas dit à nous, depuis les derniers 4 mois, combien de windfall gains la STC a gagné. Il a dit à nous, qui sa account là, PSA, Price Stabilization Account, fin depleted. Mais aucun détail ne va gagner depuis la baisse de prix de produits pétroliers, combien ils ramassaient, combien ils collectaient. Et un dernier point aussi, l'eau, sa question là que j'ai envie dire à mon camarade, pour votre éclaircissement, vous connaissez un levy aussi qui imposait le subsidy on rice and flour. Ça aussi, nous posons la question. Nous connaissons la TVA, le duri, la farine. Mais c'est dans sa price structure-là, le gouvernement impose VAT, sa subsidy rice and flour. Là. Tout ça, là, en vérité, la STC que le gouvernement a fait regretter. Finalement, ce que j'ai envie de causer aussi, c'est l'opacité dans laquelle STC gère sa situation-là. Nous, en vérité, face à la même situation d'opacité qu'il a STC entretenir depuis toujours, mon camarade. Je te connais, qui nous pas connaît, qui prie la STC acheter un baril de pétrole avec Mangalore Refineries. Jamais le ministre ne disclose ça. Puis la question du Parlement. Moi-même, en avril de cette année-là, je pose une question au ministre qui ne peut pas répondre jusqu'à l'heure, 4 mois après. Le combien casse STC, le gouvernement gagné en termes de TVA, combien ça va être différent, levies, taxes, rapporte l'État. 4 mois de gagner jusqu'à l'heure. Nous encore peut attendre la réponse du ministre. Alors c'est à cause de ça, sa opacité-là, sa silence du gouvernement, du ministre, du ministère, de la STC, pour nous lui démontrer un manque de respect envers la Chambre, envers la population. Et dans une démocratie, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait l'argent public, qui peut ramasser, qui peut collecter, n'a pas passé sa test de transparence-là. Et nous connaissons aussi qui mène l'effet et sa augmentation là pour une en termes de répercussions sur l'ensemble des foyers mauriciens. Augmentation de transport scolaire. Nous ne finissons pas. Transport public. Nous ne finissons pas. Du pain. Ban boulanger nous demander. Ban chauffeur taxi. Ban motocycliste. Ban pêcheur. Ban petit automobiliste. Tout ça là pour pénaliser. L'effet qui prend la distribution de foodstuff, parce que le camion pour bien payer des le plus cher. Pas le livrer de marchandises à supermarché, à store. Et tout cela donc pour résulter dans. Pour entraîner l'écart entre les riches et les pauvres, pour affaiblir les plus démunis dans la société et la classe moyenne. Donc, c'est pourquoi nous dire qu'il s'agit d'une augmentation dominée.
Quand le gouvernement a une montre excise duty par 4 roupies, le satellite l'essence avec diesel qui permettent le gouvernement de récolter 2 milliards 400 millions de roupies, mes camarades, chaque année maintenant. Et alors qu'il peut faire un gros cadeau à un importateur, à un baron de mon produit pétrolier à Maurice. Dans le sillage de cette augmentation-là maintenant, comme on nous connaît, le MP organise une manifestation. Je vais vous dire 2-3 mots là. Maintenant, comme je devais te connaître, nous appelons à toute une force politique, aussi un opérateur économique de soutenir sa marche-là. Et nous convaincus, nous, qu'il nous prend une bonne initiative dans l'intérêt du peuple. Nous venons donner l'occasion à Ban Mauricien d'exprimer nous dans la rue. Exprime notre ras-le-bol. Exprime sa mauvaise gestion qu'il y a de la part du STC là. Et pour nous, mes camarades, nous sommes totalement satisfaits de la marche de hier. Nous connaissons un jour de travail, nous avons fini la grande foule. Nous avons une permission en retard la veille de la manifestation. Et ce qui est plus important pour nous aussi, nous avons réussi à rassembler différents partis de l'opposition sur le même podium. En effet, comme je te connais depuis les élections 2014, jamais pas fini dans un podium qui finit rassembler le Parti travailliste, le PMSD, le MMM et le MP. Et moi, j'ai envie de remercier la direction de ce parti politique-là pour la maturité qu'ils ont montrée. Et comme on dit hier, quand on termine le meeting, le rassemblement, ce rassemblement appartient à l'alliance politique, appartient au prélude pour une alliance électorale, parce qu'il n'y a aucun dessein politique derrière sa manifestation pacifique qui lui a un petit appelé, mais c'est simplement une coordination entre toutes les forces politiques dans l'intérêt de la population. Pour nous, le travail est fait. Nous connaissons aujourd'hui un réseau social et tout ce qui finit d'arriver hier finit répercuter dans sur le net, pour un réseau social. Donc nous sommes totalement satisfaits de la marche de hier, mon camarade. Et comme on dit les autres, nous participons à la foule monstre. Mais ce qui est plus important pour nous voice out la frustration, le ras-le-bol de Ban Mauricien, l'augmentation, plusieurs articles. Mais principalement, il y a un produit pétrolier et nous finissons initier donc un processus de coordination de notre force politique pour un plus grand défi qui peut atteindre la population et que l'opposition dans un avenir très proche. Aujourd'hui, en deuxième lieu, cause un petit peu la drogue, mon camarade, la commission Lamschaling, les révélations fracassantes et choquantes qui viennent faire cette semaine-là, allégation contre le Premier ministre et les autres détails qu'il nous donnait. Évidemment, mon camarade, je peux te dire, ce sont des allégations extrêmement graves, choquantes, mais ce sont des allégations. C'est vrai, d'autre part, nous bien nous rappelle que c'est une allégation qu'il fait sous serment devant une commission d'enquête. Et l'éclair,
que le Premier ministre, que d'abord la commission d'enquête Bizet approfondit sur l'enquête. Tout le monde est égal devant la loi. Il y a une délégation de faire contre le Premier ministre. Commission Bizet fait sur l'enquête. Et le Premier ministre, il y a un avocat, il y a un homme de loi lui aussi, certainement, les pouvisales déposées devant sa commission d'enquête-là pour le réfute banalégation qui vient faire par Perouma Luiren. N'a pas aucun choix pour lui. Vous pensez, dans son intérêt même, les pouvisales allaient réagir face aux allégations graves qui finit faire par Perouma Luiren. Et ce qui est plus important aussi, mon camarade, ben les autres révélations qui viennent faire. Et aujourd'hui, ben Mauricien a réalisé la profondeur, la gravité du trafic de la drogue à Maurice. 650 millions roupies, un trafiquant, une capable d'accumuler. Et quand on guette tout ça dans le détail là, vous pensez, concernant la ramification, le trafic, les détails qu'il y a donné, mon corps peine à un Mauricien qui pas penser et n'a un fond de vérité dans tout ce qui Perouma Luiren peut raconter. Vous ne pouvez pas accusation, une allégation contre le Premier ministre, mais vous pouvez un détail qu'il nous donne le trafic. Mais nous, OMP, ce qui nous pensait face à sa bonne révélation qu'il fait là, c'est une occasion en or pour nous. Pour l'île Maurice, c'est une opportunité to take the bull by the horns, comment dire, pour prendre le taureau par les cornes, pour démanteler sa réseau là et casser les reins à la mafia. Moi, explique-moi, mon camarade. Moi, pensez une fois pour toutes. Ban enforcement agencies, Bizet get together, assis autour de la table, Mobekos le FIU, le DPP's office, l'ICAC, là-dessous. Zotti Bizet coordine Zot Banzefo et tous ces agencies-là. Zot réfléchit dans la stratégie pour faire ban trail nécessaire. Ça veut dire pas le retrace côte tout ça ban casque qui gagne là été un camarade. Et tout ce travail là bien faire sous l'égide de la commission d'enquête, sous la férule de la commission d'enquête, monitored par l'âme Chalning et ce décommissaire. C'est à cause de ça, moi, je peux dire, c'est une opportunité pour nous démanteler ban réseau, pour fouiller, pour remonter à la source, pour retracer, pour faire sa trail qui vient faire là, pour éviter ban duplicity. Ça veut dire que chaque agency, comme nous devons connaître, il y en a sur ban contact extérieur. Mais bien, il y a une collégialité, si je suis capable de servir ce mot-là. Entre ces différents State Agency, organisme de l'État, FIU, DPP's Office, ICAC, ADSU, et encore d'autres, la douane. Donc, pour établir un contact nécessaire à l'extérieur, et nous connaissons qui rôle FIU est là,
qui sont bonnes compétences, qui sont bonnes pouvoirs qu'il y en a, mais à lui seul, FAU n'est pas capable de faire travail là. Les besoins donc, comment dire, ensemble, dans une collégialité. Ben, agencies là, donc, assis autour de la table, et fouille ben, la banque, fouille tout ce qu'il y en a pour fouiller, mes camarades. Nous entendions l'argent qui traverse par Dubaï, et M. Viren, qui n'en a l'outrecudence, le culot. Lydia, M. Lamsanning, bien le fouiller ou même. Allez, ou pena FAU, ou pena ICAC, ou pena ici, ou pena là-bas. Hein, avec une désinvolture extraordinaire. Les challenges, le commissaire, pour dire, bien le fouiller, le guetter. On connaît quand mon argent était, l'aucun nom de mon compte était à Dubaï, etc. Mon corps, c'est tout une lia, mon camarade. Donc, il y a beaucoup d'argent de haut. Bizarre le retrace avant l'argent là. Et bizarre. Comment dire, faire ça d'une façon coordonnée. Deuxième affaire que j'ai envie de dire concernant ça, la drogue, ma révélation, je pense qu'il arrive l'air aussi pour que le DPP's office entre de plein pied dans l'enquête qu'il peut faire par la police par-dessous là. Qui fait à me dire ça? Je connais beaucoup de cas la drogue, une fisette, une dismiss. Pas de réussir à une preuve qui vous a amené. Parce que ben, l'enquête là fait une conducted juste par la police par dessous. Par contre, quand un signe state law officer monitor l'enquête qu'il peut faire, régulièrement get ben des positions qu'il peut prendre, ben témoin qu'il peut appeler pas là dessous. Donc, il a beaucoup plus de chances qu'il enquête policière, fait mieux, et qu'il plie vivant devant la cour. Il n'a aucune possibilité pour un suspect ou un accusé là, saper depuis le filet de la justice. Donc, le DPP's office Tibizin implique les plis. Dans sa l'enquête qui peut faire alors, la drogue concernant Deudani et tous les restes, tous les containers qu'il a trouvé là. Tout ça, volume la drogue qu'il a découvert récemment, mon camarade de la douane. Dans mon containers et dans mon bonbon, etc. Nous tout rappelle qui vient de passer. Kishna, Deudani et tout le reste. DPP's office, c'est bizarre, monitor ça dans l'enquête là. Sans aucune compétition vis-à-vis là-dessous, mais en collaboration. La douane, DPP's office, là-dessous. Donc, faire l'enquête là mieux avec the guidance of a state law officer qui est expérimenté. Et nous, si elle est là, nous assurer qu'il retombe ça va l'enquête là en cours pour plus positive. Et à cause de ça, donc, nous dit à nous penser l'heure extrêmement grave. Après, bonne révélation que nous tendons cette semaine-là au niveau de la drogue, le combat contre la drogue, c'est une occasion. Pour bonne autorité ressaisissante, la mise sur pied de la commission d'enquête a été une bonne chose. Nous nous disons ça dans le passé. Et aujourd'hui, nous trouvons qui travaille le commissaire Lamsanning peut faire. Et nous bien paraître en si bon chemin et bien assurer qu'il nous réussit, que l'île Maurice réussit, débarrasse-lui de sa bande de la mafia et de sa bande empoisonneur public. Là. Voilà, mon camarade, ce que nous sommes là pour dire pour aujourd'hui. Depuis une cause donc l'augmentation des produits pétroliers, la manifestation d'hier et aussi les révélations de la commission les révélations de qu'il fait devant la commission d'enquête sa semaine.
On parle de soutien, le soutien de la population. Bon, prenez la population sur les salles Facebook, mais le soutien, la masse critique. Vous connaissez, toutes ces bonnes manifestations qui font contre l'augmentation du prix-là, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, dans le passé, récent et moins récent, pas finalement nous grand la foule. Et nous, tu connais les beaucoup comme ça, nous. C'est mal, nous prenons le défi. C'est la bonne proposition qui nous renvoie pour donner nous-mêmes un peu plus de temps. Parce que vous connaissez, deux jours, nous préparons cette manif-là. Nous avons permission la veille, mercredi, qu'il fait commission, comité de coordination, vous devez connaître, Saint-Georges, hôtel, deux jours. Donc, mercredi, nous faisons comité de coordination pour le fuir lendemain. Donc, nous devons attendre, il ne faut pas prendre la foule, mais seulement nous n'avons pas envie de rater l'occasion. Si nous attendons encore une semaine, des semaines, les choses qui vous refroidissent, l'intérêt qui vous dissipe plus, qui vous disparaît plus. Et nous prenons le défi de descendre dans le chemin. Et c'est l'occasion-là qui nous permet, comment dire, d'abord un ralliement de toute une partie politique. Et nous avons un représentant de notre organisation sociale, opérateur économique, nous avons un représentant du jet individuel, contrat, etc., un taxi. Mais ce qui est plus important pour nous, nous exprimons la voix de la population et nous disons ce qu'il nous a pour dire. Et le MP vient trouver par sa manifestation-là qu'il est carré dans l'opposition, qu'il y a une partie qui pour jusqu'à l'élection générale venir nous pour rallier nous à tout ban mou qui ban camarades de les autres partis d'opposition pour faire, pour nous, pour rendre possible l'évacuation de ce gouvernement au prochain élection générale. C'est pourquoi on entend beaucoup le slogan élection générale. C'est pourquoi l'élection générale nous rend un peu dans la manifestation comme un des plus gros slogans. Maintenant l'augmentation, maintenant plus c'est l'élection générale. Non, c'est là aussi le gouvernement dominé. Oui, ça même. Gouvernement mentaire, gouvernement, comment dire, avec une bonne chiffre, qui me fait des autres. C'est vrai, mais nous ne pouvons pas avoir fait ça aussi. On a toujours une triomphe élection générale. Donc, vous pensez, il peut arriver un moment aujourd'hui, avec ce qui nous peut trouver, mon camarade, ça. Cascade d'augmentation de prix, la pauvreté peut agrapper, peut augmenter, ce qui nous met en délire la drogue. Vous pensez, pas pour arriver longtemps, quand le leader de l'opposition vous dit qu'il y a une motion de censure contre le gouvernement. Si les choses continuent à empirer comme ça, et quand il y a là tout le monde de l'opposition, votre slogan pour viser élection générale. Demande le gouvernement, organise une élection générale. Monsieur Vanouk, vous explique l'absence de trois leaders politiques. C'est Duval, Ron Goulam et Béranger. Vous connaissez, nous avons tous les partis politiques. Et donc, ces trois partis politiques de position-là, ils sont bien représentés. Vous pouvez permettre d'étudier la presque tous les députés, même si la secrétaire générale, travaille aussi, Assi Baden, le député Mohamed, etc. Avec Boulel. Donc, pour nous, nous regrettons qu'il m'a dit là-bas, pas venu. Mais nous posons la question, c'est pas ça qui nous change grand-chose. Mais c'est que ça montre aussi qu'il m'a le parti politique capable d'exister sans être leader. Qu'il est une réalité, bien le leader maximo. L'absence des Roger Baden. Oui, nous avons vu Roger Baden, mais Roger Baden, l'une des autres, l'une cause, bon côté de la BNP, il salue l'initiative, mais c'est mal, il dit, elle dit, pas manifestation qui vise, c'est l'élection générale qui vise. Donc, répond au slogan, il y a là alors. Non, mais c'est vrai, il dit qu'il ne peut pas arriver, moi-même, le moment pas arrivé que nous vise devant l'élection générale, mais le Baden, il dit, il dit ça préfère une chose générale qui descend dans la vie de la prestation. Enfin, on pas nécessairement d'accord avec lui. Un pacte qui est le pour une action générale, pour bien la situation comme ça, pour bien conscientiser sa population-là. C'est vrai, nous connaissons la population mauricienne, il attend l'élection générale pour les sanctionner. Il ne dit pas comment on va les autres pays, comment nous trouver, descendre dans la rue, brille partout. Une population, vous supposez, de par culture démocratique. Donc, et ça fait confirmer ces dernières années, mes camarades,
que dans la manifestation de rue de Maurice, ramasse moins du monde. Contrairement aux années 70-80, qu'on nous rappelle. Mais seulement, nous, comme l'avant-garde, dans le parti politique, ils ont été, ils conscientisent les peuples dans l'avant-garde de faire du lance dans le combat politique. Mais nous, nous prenons nos responsabilités, c'est ce que nous faisons hier. Nous faisons ce qui est d'affaires, nous exprimons la voix du peuple et nous satisfaisons. Et nous donnons raison aussi qui fait aujourd'hui la foule n'est plus déplacée. Ou même on dit en question, on dit tout à travers Facebook, à travers Internet, etc. Justement, nous trouvons que l'opposition n'est pas unie. Nous trouvons que l'opposition parlementaire est unie, mais extra-parlementaire, on dit qu'il fait officiellement passer une amende du monnaie à un parti politique qui avance dans le gouvernement maintenant, dans l'opposition. On connaît qui parti nous fait causer. C'est un peu ces main issues par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a une opposition parlementaire qui est ensemble, mais les à côté, ils ne sont pas morts avec l'opposition. Oui. C'est un constat pour vous aussi libre à sa bonne camarade là, l'opposition extra-parlementaire d'avoir l'opinion que vous avez envie. Mais seulement, pour nous réviser ça. Et nous dire ça à notre camarade de notre parti extra-parlementaire, qui appartenait à notre parti extra-parlementaire. Nous disons, ce qui est plus important, c'est l'intérêt suprême de la population, de la nation, du pays. Nous sommes capables de mettre nos différences de côté. Nous sommes mettre nos égaux de côté. Quand il y a un CISE qui touche la population pour l'augmentation du produit pétrolier, qui est vraiment une affaire minière, nous sommes capables d'un seul là-bas. Nous crier, nous montrer à gauche, déployer, nous montrer, nous désaccord avec ça, avec sa décision qu'il prend là. C'est à cause de ça, moi j'espère que dans l'avenir, quand on a les autres initiatives pareilles, qu'il y ait une initiative là commencée par n'importe qui parti politique d'opposition, parlementaire ou pas parlementaire, tout le monde besoin d'aller les autres pour nous coordonner la voie. Donc pour nous montrer sa limité qu'il y a. Justement, nous avons fait une boulet, c'est la deuxième fois où vous faites deux sorties publiques, deux fois où vous avez fait une boulet, très proche de lui, à mon tour, il est en vidéo. Est-ce que vous pouvez soutenir la candidature du David Bollel au numéro 18 ou bien c'est une mauvaise image, si vous pouvez trouver? Non, aucunement. Nous, déjà, nous ne pouvons pas prendre position de l'élection partielle dans la circonscription de ma camarade. Hier, David Bollel est là. Mais suivant les autres candidats, PMSD ou bien MMM est là. On va trouver les autres. Si vous êtes là, je suis pour gagner le même accueil qu'il y a pour gagner. Je suis pour mon tocano là, je suis pour dimanche, mais je ne choisis, elle ne peut pas venir. Donc, quand vous voulez, il est là, il participe devant avec les autres dirigeants de notre parti politique. Donc, ça va démontrer aucun traitement spécial qui nous donne à Boulel. Quand le moment arrivé, le MP pour faire sa position connaît, quand à sa participation aux élections partielles. Il y a une petite question encore. Et par rapport à la commission Lardon, vous trouvez qu'il y a une sorte de ramification entre la politique mauricienne et le trafic de drogue? Est-ce qu'on a ça l'impression là par rapport à tout ce qui finit de dire? Bon, jusqu'à l'air, c'est une allégation qu'il fait. Et c'est difficile pour nous, pour le cause plus que ça en allégation là. Parce que nous faisons écouter, nous faisons prendre note. Donc, nous ne sommes pas capables ni affirmer, ni confirmer, ni disapprouver, nier ce qu'il y a. Donc, nous paraît qu'on a tout le monde, tout le monde, nous prenons de cette allégation grave là. Donc, nous ne sommes pas capables vraiment dire quel lien qu'il y a entre la politique et la mafia aujourd'hui. À cause de ça, ils m'ont dit, moi, laisse l'enquête de la commission d'enquête approfondir bien faire. Je vais l'enquête du mois qu'il a mis en ligne pour continuer l'enquête là, pour approfondir l'enquête suite à l'allégation que j'ai faite. Il va t'en inviter. Et la question de financement de la partie politique, il revient encore une fois le tapis là. Certainement. Donc il dira dans ma première déclaration, ça va l'allégation que j'ai faite là, 30 millions de roupies données dans la campagne électorale, c'est une allégation, mais il quand même interpelle nous, ma camarade, c'est-à-dire. Nous avons regretté de la loi de financement des partis politiques à Maurice. Nous avons dit ça plusieurs fois, il n'est pas possible qu'il nous continue, que les prochaines élections aient lieu avec la loi qui nous dépassait là.
Hein, nous trouvons qui problème là. Man seuil qui m'était, man ceiling qui m'était, man plafond qui m'était dépassé. Et PNL vraiment le contrôle de ma parti politique, de notre finance. Et il arrivait donc une fois pour tout. Mais moi, m'aurait dit une affaire qui m'a dit, hein, il m'aurait dit ça à la presse. Je pensais, moi, si vous avez un select comité, si vous avez un comité d'élite, constitué de mal parlementaire, présidé par le ministre de la Justice, appelle tout mal parti politique, en dans le Parlement, en dehors du Parlement, et aussi tout du monde qui a envie de déposer. Parce qu'il est compliqué, cette affaire, la loi financement parti politique là. Tout du monde vient causer. Et moi, déjà, pour ça, l'ancien Premier ministre, le ministre Mento maintenant, est-ce qu'il n'est pas mieux? Nous mettons un select comité. On appelle tout parti politique parce que d'abord ça concerne les politiciens, les parlementaires. Vous dire qui est là pour dire, qui se propose, qui a le financement bizarre. Est-ce qu'il y a un financement par l'État ou bien non? Ou par le secteur privé? Vous connaissez tout le modèle qui est là. Mais nous faisons un select comité et nous refaisons un appel là à travers tous les camarades. Si vous avez un select comité au plus vite, donne-lui 3 mois. Pour ne pas éterniser le travail là, donne-lui 3 mois. Il vient avec son rapport. Lui proposer qu'il doit faire après qu'il n'écoute tout parti politique, en dehors au Parlement, parti d'extrême gauche, parti de gauche, parti de droite, parti n'importe qui parti politique qui est là, donc au centre, à droite, vienne déposer une directive de la loi militaire pour contrôle financement du parti politique et donc contrôle le financement de votre campagne électorale. Ok ? Merci la parole. Me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?